désormais tenu pour responsable des fautes commises contre le sanctuaire. Par contre, c'est seulement toi et tes descendants qui serez responsable des fautes commises dans l'exercice de votre ministère. Tu feras venir tes frères lévites auprès de toi. Lorsque toi et tes descendants vous vous rendrez devant la tente du document de l'Alliance, ils seront vos adjoints et vos serviteurs. Ils seront à votre service et au service de la tente. Mais ils ne devront pas s'approcher des objets sacrés ou de l'autel. De cette manière, ils n'exposeront personne à la mort, ni eux, ni vous. Ils seront vos adjoints pour tous les services et travaux à accomplir dans la tente de la rencontre. Personne d'autre ne s'approchera de vous. Vous-même, vous accomplirez votre ministère dans le lieu saint et à l'autel. Vous éviterez ainsi une nouvelle explosion de ma colère contre les Israélites. Voyez, j'ai choisi vos frères lévites parmi les autres Israélites. Ils m'appartiennent et je vous les ai attribués pour accomplir les travaux de la tente de la rencontre. Mais toi, Aaron et tes descendants, vous accomplirez votre ministère de prêtre à l'autel et dans le lieu très saint, derrière le rideau de séparation. C'est moi qui vous fais don de ce ministère. Si quelqu'un d'autre s'approche du sanctuaire, il devra être mis à mort. Les revenus des prêtres. Le Seigneur dit à Aaron : Écoute, je te confie la responsabilité de toutes les offrandes que les Israélites me consacrent. Je te les donne, c'est la part qui te revient et qui ensuite reviendra pour toujours à tes descendants. Voici donc ce qui vous revient des offrandes qui me sont strictement réservées après qu'on aura brûlé la part qui m'est destinée. Tout ce que les Israélites me présentent comme offrande végétale, sacrifice pour obtenir le pardon et sacrifice de réparation. Ces parts-là vous reviendront à toi et à tes descendants et elles vous serviront de nourriture. Mais dans vos familles, seuls les hommes et les garçons pourront en manger car il s'agit de nourriture sacrée. Vous pourrez y ajouter une partie des dons présentés solennellement par les Israélites. Ce sera pour toujours la part que je vous donne à toi et à tes descendants et à tous ceux et toutes celles de la famille qui seront en état de pureté pourront en manger. Je vous donne également les premiers produits du sol, huile, vin nouveau et céréales que les Israélites me consacrent. Tout ce qu'ils m'apportent ainsi sera pour vous et tous les membres de vos familles qui sont en état de pureté pourront en manger. Tout ce que les Israélites me consacrent de manière irrévocable vous revient aussi. Enfin, tous les premiers-nés qui me sont offerts, tant ceux des hommes que ceux des animaux, vous appartiendront. Toutefois, vous ferez racheter tout garçon premier-né, de même que le premier petit d'une bête impure. Le prix de rachat d'un garçon, payable à l'âge d'un mois, est fixé à 5 pièces d'argent en monnaie du sanctuaire, dont la pièce de base pèse 10 grammes. Un veau, un agneau ou un chevreau premier-né ne peut pas être racheté. Ces animaux-là me sont réservés de manière exclusive. Vous répandrez leur sang sur l'autel et vous y offrirez des parties grasses en sacrifice consumé pour que j'en apprécie la fumée odorante. Ensuite, la viande de ces animaux vous reviendra, tout comme vous reviennent la poitrine et le gigot droit d'un animal offert solennellement en sacrifice de communion. Ainsi, je vous donne tout ce que les Israélites me présentent comme offrande sacrée. Ce sera pour toujours votre part, à toi, à tes fils, à tes filles, en vertu de l'alliance irrévocable que j'ai conclue avec toi et tes descendants. Le Seigneur dit encore à Aaron : Tu n'auras pas de territoire ou de possession dans le pays que je te donnerai en partage aux Israélites. C'est moi qui serai ta part, ta richesse au milieu des autres Israélites. Les revenus des Lévites. Le Seigneur continue : Et voici le salaire que j'accorde aux Lévites pour le service qu'ils accomplirent à la tente de la rencontre. Je leur donne en partage la dîme, c'est-à-dire un dixième de tout ce qui est produit en Israël. Les autres Israélites ne s'approcheront plus de la tente sacrée pour ne pas se rendre coupables et en mourir. Seuls les Lévites accompliront le service à la tente et seront responsables des fautes qu'ils y commettront. Vous observerez cette prescription en tout temps. Les Lévites ne posséderont pas de territoire comme les autres tribus d'Israël, mais je leur donnerai en partage les dîmes que les Israélites doivent m'offrir. C'est pourquoi j'ai pu leur dire qu'ils ne posséderaient pas de territoire comme les autres tribus. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aussi les prescriptions suivantes aux Lévites. Lorsque les Israélites vous apporteront la dîme que je vous donne en partage, vous prélèverez vous-même le dixième de cette dîme pour me l'offrir. Cela correspondra de votre part à ce que vos compatriotes prélèvent sur leurs céréales ou leur vin nouveau pour me l'offrir. De cette manière, vous aussi, vous m'apporterez votre contribution. Vous la prélèverez sur la dîme que vous recevrez de vos compatriotes et vous me l'offrirez en la remettant au prêtre Aaron. Pour tous les dons que vous recevrez, vous prélèverez intégralement
vous l'aurez prélevé, vous garderez le reste pour vous, comme les autres Israélites gardent le reste de leurs céréales, de leur vin et de leur huile. Vous pourrez consommer ces produits en n'importe quel endroit, avec tous les membres de vos familles, car c'est votre salaire pour le service accompli à la tente de la rencontre. Dès le moment où vous aurez prélevé pour moi la meilleure part, vous ne commettrez pas de faute en consommant ce qui reste. Vous ne risquerez donc pas de profaner les offrandes que les Israélites me consacrent et vous exposer ainsi à la mort. Les cendres de la vache rousse. 19. Le Seigneur communiqua à Moïse et à Aaron les prescriptions rituelles suivantes. Ordonnez aux Israélites, leur dit-il, de vous procurer une vache rousse qui me présente absolument aucun défaut et qui n'ait jamais porté le joug. Vous la remettrez au prêtre Élazar. Celui-ci la conduira hors du camp et on l'égorgera en sa présence. Élazar prendra un peu de son sang et d'un doigt, il en fera 7 aspersions en dispersion de l'entrée de la tente de la rencontre. On brûlera sous ses yeux la vache tout entière, peau, viande, sang et boyaux. Le prêtre prendra le bois de cèdre, une branche d'hysope et de la laine d'un dent cramoisi qu'il jettera sur le foyer où se consume la vache. Ensuite, le prêtre lavera ses vêtements et prendra le bain avant de regagner le camp. Il restera cependant impur jusqu'au soir. Celui qui brûlera la vache devra aussi laver ses vêtements et prendre un bain. Il restera impur jusqu'au soir. Un homme en état de pureté recueillera les cendres de la vache et les déposera dans un endroit pur hors du camp. La communauté d'Israël les conservera pour préparer l'eau de purification. Ce rituel équivaut à un sacrifice pour obtenir le pardon des péchés. Celui qui recueillera les cendres de la vache devra également laver ses vêtements. Il restera impur jusqu'au soir. Les Israélites et les étrangers vivant parmi eux observeront en tout temps ce rituel. Loi sur la purification. Quiconque touche un cadavre humain est impur pour une semaine. Le troisième et le septième jour, il doit s'asperger avec l'eau de purification et il sera pur. Mais s'il néglige de se purifier le troisième jour et le septième jour, il restera impur. Celui qui touche un cadavre humain et néglige de se purifier profane la demeure du Seigneur. Il sera exclu du peuple d'Israël. Puisqu'il n'a pas été aspergé avec l'eau de purification, son impureté demeure. Autre règle, si une personne meurt dans une tente, ceux qui y pénètrent seront impurs pour une semaine, tout comme ceux qui s'y trouvent déjà. S'il y a là un récipient enfermé par un couvercle solidement fixé, son contenu devient impur. Si quelqu'un en pleine campagne bute sur le cadavre d'une personne assassinée ou morte de mort naturelle, il est impur pour une semaine, de même que celui qui bute sur des ossements humains ou sur un tombeau. Pour purifier une personne impure, on prend des cendres de la vache offertes en sacrifice pour le pardon des péchés, on les met dans un récipient et on ajoute de l'eau de source. Un homme en état de pureté prend une branche d'hysope, la plonge dans l'eau du récipient et en asperge la tente où quelqu'un est mort, tout son contenu et les gens qui s'y trouvaient, ou bien il en asperge la personne qui a touché les ossements, un cadavre ou une tombe. Cette aspersion de la personne impure a lieu le troisième et le septième jour après l'aspersion du septième jour. La personne lave ses vêtements et prend un bain et dès le soir, elle est pure. Mais si une personne devenue impure ne se purifie pas, elle sera exclue de l'assemblée d'Israël car elle rend profane le sanctuaire du Seigneur puisqu'elle n'a pas été aspergée d'eau de purification, elle reste impure. Les Israélites observeront en tout temps ce rituel. Celui qui procède à une aspersion avec de l'eau de purification doit laver ses vêtements et celui qui touche à cette eau est impur jusqu'au soir. Tout ce qu'une personne impure touche devient impur et quiconque touche une personne impure est lui-même impur jusqu'au soir. L'eau de Mériba. Voir aussi Exode 17, 1 à 7. 20. Toute la communauté d'Israël arriva dans le désert de Tzin au cours du premier mois et s'installa à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme le peuple manquait d'eau, ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron. Ils cherchèrent querelle à Moïse et lui dirent « Si seulement nous étions morts sous les coups du Seigneur en même temps que nos compatriotes, pourquoi nous avez-vous conduits dans ce désert ?» Nous, le peuple du Seigneur, pour que nous y mourions avec nos troupeaux, pourquoi nous avoir fait quitter l'Égypte pour nous amener dans cet endroit horrible? On ne peut rien y semer, on n'y trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni même d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de cet attroupement, se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre et s'y jetèrent le visage contre terre. Alors la gloire
présence du Seigneur se manifesta à eux, et le Seigneur dit à Moïse, « Prends ton bâton, puis, avec ton frère Aaron, rassemble la communauté d'Israël sous leurs yeux. Vous vous adresserez à ce rocher, là-bas, et il donnera de l'eau. Oui, tu feras jaillir de l'eau de ce rocher pour donner à boire aux Israélites et à leurs troupeaux. » Moïse alla chercher son bâton dans la demeure du Seigneur, selon l'ordre reçu. Aaron et lui convoquèrent l'ensemble des Israélites devant le rocher désigné et leur dirent « Écoutez donc, vous les rebelles, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau sur ce rocher ?» Moïse leva le bras et frappa à deux reprises le rocher avec son bâton. Aussitôt de grandes quantités d'eau en jaillirent et les Israélites purent s'y désaltérer, de même que leurs troupeaux. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron « Vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas manifesté aux yeux des Israélites que je suis le vrai Dieu. » Pour cette raison, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. À propos de cet événement, on parle de l'eau de Meriba, l'eau de la querelle. Car les Israélites avaient cherché querelle au Seigneur, mais le Seigneur s'est servi de cet événement pour manifester qu'il est le vrai Dieu. Le roi d'Édom refuse de laisser passer Israël. De Kadès, Moïse envoya les messagers du roi d'Édom et lui dirent « Écoute le message de tes frères israélites. Tu sais toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Nos ancêtres sont partis autrefois pour l'Égypte et notre peuple a longtemps séjourné. Les Égyptiens nous ont maltraités, nos ancêtres et nous. Nous avons appelé le Seigneur à l'aide. Il a entendu nos cris et il a envoyé son ange pour nous faire sortir de l'Égypte. Nous voici maintenant à Kadès, la ville située à la limite de ton territoire. Veuille nous autoriser à traverser ton pays. Nous ne passerons ni dans les champs cultivés, ni dans les vignes. Nous ne boirons pas d'eau des puits. Nous suivrons la grande route, sans nous en écarter, ni à droite, ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé tout ton territoire. Vous ne traverserez pas mon pays, répondit le roi d'Édom. Si vous essayez, je vous ferai la guerre. Les Israélites insistèrent. Nous resterons sur la route. Si nous avons besoin d'eau pour nous-mêmes et nos troupeaux, nous te la payerons. Nous te demandons simplement de pouvoir traverser ton pays. Vous ne traverserez pas, répéta le roi. Et les Édomites vinrent à la rencontre des Israélites avec une nombreuse et puissante armée pour les empêcher de traverser leur territoire. Alors les Israélites prirent une autre direction. La mort d'Aaron. Toute la communauté d'Israël quitta Kadès et se rendit à la montagne de Hor, à la frontière d'Édom. Là, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Aaron va bientôt mourir. En effet, il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites, puisque vous avez désobéi à mes ordres à la source de Meriba. Toi, donc, Moïse, emmène Aaron et son fils Élazar au sommet de la montagne de Hor. Après avoir ôté à Aaron ses vêtements sacerdotaux, tu en revêtiras Élazar. Aaron mourra à cet endroit. » Moïse suivit les instructions du Seigneur sous les yeux de la communauté. Ils montèrent tous les trois sur la montagne de Hor. Moïse prit les habits d'Aaron et en revêtit Élazar. Aaron mourut là, au sommet, puis Moïse et Élazar redescendirent de la montagne. Lorsque les Israélites comprirent